William Pascal Lamers. Vous avez été reconnu coupable d'homicide et condamné au poison jusqu'à ce que mort s'en suive. Souhaitez-vous dire quelque chose avant votre exécution? Je sais pas combien de temps j'ai droit. Pardon? Le gouverneur est occupé pour le moment. Quel est le problème? Si ce gars-là est encore en vie à minuit, on devra remettre le couvert demain soir. Si la mère veut parler, on doit laisser parler, c'est la loi. Bah alors on change la loi et on n'en parle plus. Pas avant les élections, en tout cas. Votez Brodeck, que vous soyez moche ou beau. Madame, sous vos pieds, dans l'ombre, un homme est là. Vous n'allez pas nous réciter tout Victor Hugo, sinon on n'est pas couché, hein. William Pascal Lamers trouve la faille dans le système judiciaire. On pourrait mettre son exécution en scène, la proposer au peuple, et en profiter pour remonter votre cote de popularité. Vous voulez filmer mon exécution? Par épisode. Une prison, pas un plateau de télévision. Si vous ne vous trouvez pas télégénique, on pourra vous foutre le visage. Et ton visage à toi? Tu veux que je te foute tout de suite, enfoiré? Un condamné à mort, qui sauve sa peau tous les soirs en racontant des histoires, c'est aberrant. J'adore le concept. C'est le Dead Man Talking Show. William Lamers, l'inconnu dont tout le monde parle. Tous les jours, on doit vous exécuter. Quelqu'un a une cigarette? Tous les jours, on fait semblant. On en est où dans les chiffres? Tu trouves que j'ai la gueule d'un mec qui fait semblant? Et les gens, là dehors, tu crois qu'ils viendraient si je faisais semblant? Plus les électeurs regarderont le show, plus vous aurez de voix. Ils sont là, ils existent. Tout ça existe. Regarde-moi. Regarde-moi, putain, j'existe. Je suis pas du vide, je suis quelque chose. Je suis quelqu'un, je suis vivant, je suis le mort qui parle. On devrait le laisser raconter son histoire jusqu'au bout. Pouvez-nous laisser? Madame Milford est sourde, monsieur. Tu baises?